Quel est votre regard sur la première année de mandat de Franck Leroy, qui a dû prendre un peu au débotté la présidence après le départ de Jean Rottner? Alors, ce sont deux personnalités qui sont très différentes. Franck Leroy est une personnalité sans doute beaucoup plus consensuelle que l'était Jean Rottner, et sans doute aussi peut-être moins politique. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très présent sur le terrain, qui en tout cas essaye d'accompagner les territoires, je trouve que c'est tout à fait à son honneur, qui discute avec nous, avec l'opposition, qui laisse une petite place à l'opposition. Le seul reproche ou en tout cas constat que je peux faire, c'est que je pense que dans cette assemblée, aujourd'hui, on doit avoir un vrai positionnement politique qui soit fort. Face à Jacobelli, face à Laurent Jacobelli, face au Rassemblement national. Et il me semble que Franck Leroy devrait renforcer sa personnalité politique. D'accord. Ça se traduit comment, selon vous? Enfin, vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une certaine faiblesse vis-à-vis... Je pense que de ce point de vue-là, je pense que par rapport à Jean Rottner, qui était beaucoup plus combatif politiquement face à... Et c'est sur les dossiers ou c'est sous dans les joutes verbales? Je pense que c'est sur le positionnement politique tel qu'il... C'est pas sur les dossiers, parce que sur les dossiers, vous savez, le Rassemblement national, on n'entend pas. C'est sur des positionnements politiques qui peuvent être pris aujourd'hui, où finalement, on laisse à mon avis trop de place et qu'on n'affirme pas suffisamment la différence qu'il peut y avoir entre le Rassemblement national, qui est comme d'extrême droite, et puis le reste. Donc on essaye, et c'est un sujet qui est compliqué, parce que on voit bien au sein de l'Assemblée, mais je pense qu'il faut absolument ne rien laisser passer, et que de ce point de vue-là, il y a besoin de ce renfort, de cette armure politique qui peut-être un chouïa manque un peu à Franck Leroy.